Pour apprécier cette vidéo à sa juste valeur, il va falloir réunir deux conditions. Premièrement, cette vidéo va faire appel à votre perception des couleurs. Donc si vous êtes daltonien, vous risquez de ne pas pouvoir suivre l'expérience jusqu'au bout. Et deuxièmement, vous allez avoir besoin de parler à voix haute. Alors vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous demander de dire des trucs bizarres, juste des noms de couleurs et de formes géométriques. Mais si vous vous trouvez dans un endroit où vous risquez de déranger, ou si vous avez peur que les gens autour de vous vous regardent bizarrement, je vous conseille de remettre le visionnage de cette vidéo à plus tard. C'est vraiment important que vous fassiez l'expérience en parlant à voix haute pour que vous vous rendiez vraiment compte des changements qui vont se produire. L'expérience que je vous propose va se dérouler en trois phases. Pour commencer, je vais vous montrer des formes géométriques et je vais vous demander de les nommer au fur et à mesure qu'elles apparaissent, sans tenir compte de leur couleur. Je vais commencer les cinq premières avec vous et ensuite je vous laisserai vous débrouiller sans moi. Étoile, triangle, carré, rond, triangle. Pour l'instant, a priori, je ne vous ai pas mis en difficulté. Pour le deuxième essai, je vais cette fois vous demander de donner non plus le nom de la forme, mais sa couleur. À nouveau, je vais faire les cinq premières avec vous et je vous laisserai continuer tout seul. Rouge, vert, bleu, rouge, bleu. Jusqu'à présent, en principe, c'était plutôt facile. C'est là que ça va se corser un peu. À partir de maintenant, je vais remplacer les formes géométriques par des mots. Et je vais vous demander de donner la couleur avec laquelle sont écrits les mots au fur et à mesure qu'ils apparaissent, mais sans les lire. Par exemple, si je vous montre le mot orange écrit avec des lettres de couleur verte, eh bien il faudra dire vert. C'est simple, hein? Ok, alors allons-y. Comme toujours, je commence avec vous et je vous laisse continuer tout seul. Vert, bleu, bleu, vert, rouge. Et bah alors, qu'est-ce qui se passe? Non. Allô? Oh chérie! Maman! Ça va mon cœur? Maman, c'est dur! Maman! Vous venez d'être victime de l'effet Stroop. Cet effet tient son nom de son découvreur, John Ridley Stroop. En 1935, il a réalisé une expérience qui ressemblait à celle que vous venez de suivre. Dans son expérience, les sujets devaient identifier la couleur d'un mot sans lire le mot lui-même. Et il a découvert que le temps nécessaire à l'identification de la couleur avec laquelle le mot est écrit est beaucoup plus long lorsque le mot ne correspond pas à la couleur en laquelle il est écrit que lorsqu'il y correspond. De plus, le pourcentage d'erreurs, comme par exemple dire vert quand le mot vert est écrit en rouge, est également plus élevé lorsque le mot ne correspond pas à la couleur de ses lettres. Il existe donc un effet d'interférence entre la tâche que vous cherchez à réaliser, nommer la couleur du mot, et une tâche que le cerveau réalise automatiquement, la lecture. Donc ça veut dire que si vous demandez à un enfant de 5 ans de donner la couleur d'un mot d'une liste dont le sens ne correspond pas à la couleur des lettres, il y arrivera bien mieux que vous. Vu qu'il ne sait pas encore lire assez bien, il n'y aura pas de conflit attentionnel entre les deux tâches. À savoir également que l'effet Stroop est plus marqué chez les hommes que chez les femmes. Les hommes mettent plus longtemps à identifier la couleur des mots que les femmes, même si le nombre d'erreurs est similaire entre les deux sexes. Ceci dit, sachez que l'effet Stroop diminue avec l'entraînement. Plus on pratique la tâche de se focaliser sur la couleur des mots au lieu de leur sens, et plus on devient rapide. On pourrait penser que l'effet Stroop a peu d'application dans la vie courante. Et pourtant, à chaque fois qu'un nouvel apprentissage vient bouleverser des réflexes qu'on a acquis avec la pratique, on est victime d'un phénomène qui tient un peu de l'effet Stroop. Par exemple, quand on change de voiture après avoir conduit des années avec la précédente, ou bien quand on commence à jouer à un nouveau jeu vidéo quand on a acquis des réflexes avec un jeu précédent, ou encore quand on apprend à faire du flyboard alors qu'on est habitué à faire du skate. Au final, la carrière de chercheur de John Ridley Stroop s'est révélée relativement courte. Pourtant, ses recherches sont devenues parmi les plus connues en psychologie, comme en témoigne son article de 1935, cité presque 20 000 fois à ce jour.